Finir sans mon mode VR. What? Un nouveau mode vous permet désormais de jouer avec les lunettes vertes de coin. Vous pouvez jouer à l'épisode spécial. Partez à l'aventure avec Captain Toad et Toadette sur les traces d'une couronne un peu particulière. Donc il y a tout qui se débloque. Vous voulez retirer la console? On vérifiera ça plus tard. Honnêtement, ça m'a l'air intéressant ce mode VR. Bon, pour le moment, on va suivre la trace un peu logique du jeu. Alors, on avait fait, souvenez-vous, il y a la précédente vidéo, je crois qu'on avait fait 4 niveaux. On avait fait, je crois qu'on avait fait la pluie de navettes sur la jungle, retraite secrète au Far West, ruée sur la dénigrenol allée et la porte toquée au manoir hanté. Donc du coup, dans cet épisode, nous allons continuer. On va peut-être pouvoir finir le bouquin. Regardez, il nous manque très peu de pages. Hein, regardez, il nous manque, voilà, on est à la fin en fait. Donc on va débloquer le blizzard sur l'étoile express dans lequel il nous faut 30 joyaux. Donc on va simplement le débloquer maintenant. Et du coup, donc une nouvelle architecture Blizzard sur l'étoile express. Alors il faut se souvenir qu'il y a bien sûr les 3 joyaux à récupérer, sachant qu'il y a l'étoile là, il y a le défi à faire. Je sais pas ce que pourrait être le défi. Donc du coup, c'est le blizzard au château. Enfin, c'est le blizzard. Allez go. Bon, honnêtement, je pense à être soit buter tous les mascas. Je sens une connerie de ce genre, donc c'est pour ça que je vous en parle, mais ok, donc pour le moment, pas de joyaux. Pas de joyaux. Ils ont l'air d'être soit en bas, soit ici. Oh, ici, sûrement, il y en a un. Sûrement ici il y en a un. Bon mon bébé, ça m'a fait peur. Alors du coup, on va pouvoir entrer là-dedans. Et du coup, il y a un Toad qui donne un champignon. Ah d'accord. C'était. Vous pensez que si on retire. Non, c'est-à-dire si on retire une fois, ça nous donne un truc spécial, mais non ça. Alors du coup. On va pouvoir continuer. Ah mais par contre, je sais pas été là. Il y avait un truc ici, mais que j'ai oublié de prendre. Je sais pas s'il y a un joyau là-dedans, donc je préfère aller. Simplement voir. De toute façon, nous avons le temps pour le moment. Nous avons le temps. Alors ça a l'air d'être un peu difficile quand même. Il faut que je m'y remette dans le jeu. Donc il n'y avait rien. Il faut que je m'y remette dans le jeu parce que ça fait bien 2 ou 3 mois que j'ai pas touché au jeu, voire peut-être. En fait, depuis le dernier niveau, en fait, j'ai pas touché au jeu, pas retouché au jeu. Donc je sais pas combien de mois ça fait déjà, mais il faut que je m'y simplement m'y remettre. Hein, parce que pour moi, du coup, c'est à peu près un nouveau mécanisme, si vous voulez, mais... Ah, alors, du coup... Ok. Ah, d'accord, j'ai compris ce qu'il faut faire. Mais non ! À l'aide ? Bah oui, il y a ce putain de message qui m'empêche de savoir où je vais. Attendez, attendez, tac, tac. Allez, allez, allez. Ok, rien du tout. Rien du tout. Eh bah oui, mais ma foi, tu veux faire comment, toi? Mais tu peux pas monter. What the fuck? Attendez, mais je comprends pas, le jeu il est bugué ou quoi? Et on peut pas accéder au joyau, c'est quoi cette arnaque? What? Attendez, non, non, là c'est pas de ma faute le jeu. Oh, par contre ça j'avais pas vu. Putain, ça, faut faire attention. Ça nous en fait un. Alors finalement, heureusement qu'on est mort en fait, finalement, parce que je l'aurais bien loupé quoi. Je suis bébé quand même. Mais alors? C'est qui gignole comme ça? Ah par contre non 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 par contre non toi je te veux pas. Ah oui, du coup j'ai un peu réveillé tout le monde. C'était pas le but initial mais c'est pas grave. Mon dieu. En fait finalement je sais pas comment y aller quoi. Je sais pas comment y aller.
Sachant que là, après, je quitte le wagon, donc... Donc finalement, en fait, on peut pas y aller. Attendez, on va analyser... Ah putain, c'est vrai que je peux faire ça, mais c'est pas possible d'être aussi abruti que ça. C'est incroyable. Voilà, regardez ce qu'il faut faire. Putain, vraiment, un gros boulet, quoi. Hein. Gros boulet, quoi. Ok. Deux. Bah oui, on peut tourner la caméra, putain. Faut vous dire, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, hein. Je sais pas, mytho, hein. Non, du coup... Oh, on peut dormir? Lol, what the fuck. D'accord. Alors, du coup, prochain. Oh non. Oh non. Oh non, pas les énigmes. Non, non, non. Alors là, oh putain. Oh putain. Ah putain. Ah putain. Pas maintenant. Pas maintenant les énigmes, s'il vous plaît. Oh, fais chier. Attendez. Ok, ça sert juste pour faire ça. Ça sert à quoi ça? Faut mettre ça. Ça là. Ça là. Ok, ça là. Oui. Ah dommage, je pensais qu'il y avait un marteau, mais... Regardez. Oui. On peut tout avoir. Et du coup, nous avons le 100% ici. D'accord. Par contre, honnêtement, je sais pas c'est quoi le défi. Hein. Je vous le dis clairement, je sais pas du tout c'est quoi le défi. Soit de pas se faire toucher, soit de pas se faire repérer par les... Par les mascasses, je sais pas. Oui. Alors on va tout dégommer. Là, rien à foutre. Là, rien à foutre. On dégomme tout. Ou peut-être ne pas tuer d'ennemis vu que on dirait qu'ici on peut passer sans tuer d'ennemis. Je sais pas. Peut-être ça. Et du coup nous avons l'étoile. Donc du coup on a terminé le premier niveau de l'épisode. Stage terminé. Ouh. Le mode VR, on le verra à la fin de l'épisode. C'est quoi ce truc? Donc parce qu'honnêtement, ça m'intrigue. Oh, la cutscene. Merde. Il nous a embarqué ce connard. Ce connard, il nous a embarqué. Chapignon One Up obtenu. Oh putain. C'était juste ça. Mais j'ai oublié de l'actionner. Bon, là c'est du speedrun. Voilà, là je vous dis c'est du speedrun. Là c'est du speedrun, vous allez pas comprendre. Allez go, speedrun. Allez, allez, hop. Regardez, regardez le talent. Le speedrun en action. Le speedrun en action. Bah en fait là on est déjà à la moitié du niveau donc voilà. Et si, merci. C'est pas grave. On speed. Et là, c'est parti. Et ben voilà. Le speedrun de fait en une minute et quelques. Ça va. Du coup, je pensais que c'était un peu plus difficile que ça. Mais bon, au moins, nous l'avons réussi. Chapignon One Up obtenu. Du coup, maintenant, il y a le Toad de pixelisé à trouver. Oh non. Ok, d'accord. Oh, ça va, il est pas loin. Moisson de pièces, putain. C'est vraiment de la merde, honnêtement. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça... C'est de la merde. C'est de la merde, sérieusement, c'est long. Vas-y, donne. Allez hop, on va prendre ça. Ok, 208. Ça fait de vie, hein. Ça fait de vie. Et du coup, c'est parti pour le Toad pixelisé. Alors là, par contre, faut vraiment être attentif parce qu'il peut être bâtard ici. Parce que sachant qu'il peut être n'importe où. Hein.
Sachant que là, vraiment, il peut être n'importe où. Donc, faut vraiment être très attentif. Alors, toi, pixelisé. Sachant qu'il peut vraiment être n'importe où, hein, je vous le dis clairement. Ok, il n'y a pas ici. Ce serait bien qu'il soit sur un wagonnet en fait. C'est pour ça que je retourne la caméra un petit peu plus. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas non plus mort d'homme. Au moment ici, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ok. Je regarde parce que vers les caisses il peut bien y être. Donc non, ça pour le moment il n'y a rien. On entend. On entend. On entend. Donc il est pas très loin. Sachant que là il peut être vraiment n'importe où. Hein. Non, il est pas sur le lit. Il est pas là-dedans, de ce côté. Il n'y a rien du tout. Peut-être là. Si on enlève ça, peut-être. Derrière, non, pas du tout. Pour le moment, il n'y a rien. Pour le moment, je dis bien. J'espère qu'on l'a pas perdu. Alors là, c'est vraiment la recherche. Alors, il peut être derrière les caisses. Non. Alors, ça, par contre, il faut vraiment être attentif parce que je pense qu'il va être derrière un truc comme ça. Et qu'il n'y a que en tournant un certain moment que on va le remarquer. Rien du tout pour le moment. Rien du tout. Rien du tout. Mais c'est fou! Mais il est où? Sérieusement? Il a ce point difficile? Ah putain, je crois que je l'ai passé, vous allez voir. Allez, toi, tu dégages. Problème, je ne sais pas où il est. Je sais pas où il est. Putain, ça va être comme sur de la lave. Il va être à un endroit où il a un mouvement et on peut à peine le voir. Il va sauter de droite à gauche comme ça. Il peut être en bas, il peut être de partout. Il peut être de partout, ce bâtard. Ok. Sachant que j'ai l'impression qu'on attendait un truc tout à l'heure, mais que... Ok. Pas être là, là. Même pas, putain, mais il est où, c'est incroyable. C'est pas possible. Hein. Pourquoi on attend un truc? C'est ça qu'on attend? Non, mais j'attends vraiment un toad, hein. Pixelisé. Ce bruit, c'est un bruit qui fait un toad pixelisé, non? Non, mais c'est un toad pixelisé, c'est pas possible.
Oh putain, comme il est caché. Comme il est caché. Vous imaginez qu'il est là-dedans? C'est fort probable, hein, honnêtement, je sais tellement pas. J'essaie de trouver des solutions, mais... Il est là! Oh, il est là, putain! Oh, le bâtard! Oh, regardez où il était, quoi! Trouvez, bon! Mon dieu, c'était quoi ce niveau de merde? À la rescousse de Toadette! 18, le fort de Wingo! C'est parti, du coup, pour le dernier niveau. Évidemment, on va le faire. Pour en finir avec le bouquin numéro 1. Qui est tout simplement le boss, hein, tout simplement. Ok. Oh mon dieu, donc c'est vraiment un niveau à part entière, en fait. C'est vraiment un niveau à part entière. Oh putain. Mais je comprends pas pourquoi elle ne lâche pas, putain. Lâche! Tu tomberas devant! T'es vraiment con, toi, jusqu'au bout des fois. Vas-y, dégage. Oh putain, me dites pas qu'il va, il va me casser les couilles jusqu'au bout, lui. Il va pas me lancer des sorts ni rien. On va affronter en haut, non? On va pas l'affronter toujours ici. Putain, il va être là. Non. Non, mais c'est une vanne. Ah, j'ai compris ce qu'il faut faire. En fait, il faut le viser avec un navet. D'accord. En fait, j'ai compris. Je voulais vraiment. Je me suis jeté dans le vide pour vraiment savoir ce que c'était vraiment ça qu'il fallait faire. Et finalement, bah, c'est ça qu'il faut faire. Finalement, c'est bien ça qu'il faut faire. Alep, vas-y, téléporte-toi. Oh merde. Merde, merde, merde. Non. Non, allez, allez, allez. Oh putain, j'ai pas y aller. Je vais pas y arriver, je crois. Allez, téléporte. Oh putain, il va se téléporter de chacun des côtés du niveau. Oh là là, c'est quoi ce niveau de boss? C'est quoi ce boss de merde, la RNG de ce boss? Putain, j'ai mis des boss de merde. En fait, faut attendre qu'il soit... En fait, il a un truc qui fait tout le tour, en fait. Il va être là. Mais putain, mais vise-le! Oh non, mais non, mais non. Oh mais non, mais non, mais ça j'accepte pas. Oh par contre, je rêve où il vient de se passer un bug. Oh là là, un jeu de merde. Oh là là, un jeu de merde. Ok, donc ça nous fait le premier joyau. Oh là là, un jeu de merde. Oh, jeu de merde. Oh là là, là je crois qu'il faut le lancer du haut, en haut en fait. Parce que le vent, il nous attire pas vers lui, hein. Non, le vent, ils ont pas l'air de nous attirer vers lui, hein. Non, regardez ce qu'il fait, le vent. Il fait de la merde, le vent. Mais non! Oh, mais non! Mais putain, je voulais prendre un navet. Et il a pas pris le navet, je voulais le lancer. Oh là là, ce boss va être une merde. Ah, par contre, avoir fait coder ce boss de merde ici, alors qu'ils auraient bien pu le mettre tout en haut comme dans Mario 3D World, non, on est obligé de le taper tout le long. Comme si c'était passé la merde comme ça. Là, on peut rien faire, honnêtement, là, je peux rien faire. Boum! Boum! Je sais même pas si ça fait un truc, en fait. Je fais ça, mais honnêtement, ça fait un truc. Je sais même pas. Putain, sérieusement. Ah, d'accord. En fait, il nous compte quand même le truc. Ok. Allez, hop. Non, non, et non, et non, et non. C'est vraiment de la merde. Hein. Oh là là, c'est vraiment de la merde, ce boss de merde. Avoir codé ça, je vous jure, mais vraiment, mais... Putain, mais je sais pas ce qu'ils ont passé par la tête chez Nintendo, mais je pense que quand ils ont conçu le jeu, il y avait pas que de l'eau sur la table, hein, si vous voyez bien ce que je veux dire. Oh, ta mère. Oh là, oh là, oh là. Eh oui, bah bien sûr, je me suis bloqué du coup. Oh là là, putain, mais quel con. Fallait d'abord que je récupère ça. Putain, mais... Ah non, je peux prendre limite le navet et le lancer
et le lancer en même temps que je me jette. Je sais pas si ça va marcher, mais putain, c'est vraiment... En fait, le boss, il me perturbe. Je sais pas s'il a que ça comme attaque ou il va me lancer des trucs dans la gueule. Putain, s'il a que ça comme attaque, vraiment, hein. Conception de merde, hein, je vous le dis. Hein. S'il a que ça comme attaque, c'est vraiment une conception de merde. Allez, dégage. Voilà, il va pas de l'autre côté, normalement. Voilà. Oui, oh, oh, avouez qu'il y a eu du skill. Avouez qu'il y a eu du skill. Donc, du coup, il nous manque le dernier. Putain, c'est vraiment de la merde, ce boss. Oh là là, je sais pas qu'est-ce qu'ils sont passés dans la tête pour avoir conçu, pour avoir programmé ce boss-là, mais je comprends pas. C'est pas logique. Ce n'est pas très logique. Allez, ici. Oh, oh, oh non, j'étais derrière le mur, mais... Oh, mais ça, c'est horrible, hein. Mais c'est quoi ce boss de merde? J'étais derrière le mur. J'étais derrière le mur. Oh là là, je sais pas qu'est-ce qu'ils sont passés par la tête à pour avoir programmé ce boss de merde, mais vraiment. Vraiment quoi, ça casse les couilles. C'est bon, c'est bon. Merci. Bien sûr, non, 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 non. Oh ça va, normalement t'es pas censé m'avoir. Ok. Non! Putain, putain, ta mère, ta mère, ta mère, ta mère. Faut se protéger avec le mur. Oh là là, bien, bien sûr, bien sûr. Putain, il faut monter là-dessus. Oh là là. Comme c'est le bordel. Non, 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 non. Ici. Oh, ok, ok, ok. Déjà que c'est le bordel, alors imaginez pas comme ça. Ok. Attendez, j'ai compris ce qu'il faut faire. Faut laisser. Voilà, là maintenant j'ai le temps. Mais non. Allez, allez. Oui. Ok, 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 ok. On se concentre. On se concentre. Allez, de l'autre côté. Allez, stop. On fait très attention. On attend qu'il a fini. Merci. Alors là, je vais pas me laisser baiser, vas-y. Déclenche ton pouvoir. Ah, d'accord. Je crois que c'est la fin là. Connard. Et vers l'infini et l'au-delà. Oh my god. C'est une montagne remplie de pièces. Alors du coup, il faut faire quoi là? Ah. Ouais bah putain, si c'est ça le boss. Oh merde, je pensais l'avoir visé là. Non, non, non. Faut se protéger avec les petites parois en fait. Boum! Allez, il nous en manque un dernier, je pense, et ça suffira. Vas-y, fais-nous apparaître des navets. Oh oui! Ok. 1, 2, 3, 4. Ah, t'aurais pas dû. Quoi? Oh, sérieusement. Sérieusement, vas-y, refais apparaître. T'avais rappelé dans Mario Galaxy, en fait, quand Bowser fait apparaître ces trucs de merde, là. Oh, putain, stop. Oui, nous l'avons eu. C'est bon. Oh, il ne manquera que le temps de pixeliser qu'on va faire, bien sûr, comme ça on en a fini avec le monde 1, le book 1, et... Oh mon dieu, c'est quoi ce jeu? Oh mon dieu. Ha! Todot. Et voilà. Oh, comment tu vas, ma princesse? Elle est parfaite. Oh yeah. Stage terminé. Et on va pas faire le tour de pixeliser. Et après, on s'arrête là. On vérifie quand même le mode VR avant. Premier book
de fini. Ah, nous avons fini le jeu. Ah ben voilà, c'est la fin du LP. Non, pas du tout. Non mais attendez, on a fini le jeu. Quoi? Il y avait qu'un bouquin. Attendez, mais pourquoi j'ai cru en avoir eu 3? On a fini le jeu? D'accord, bah au moins ça c'est fait. Bah du coup il faudra faire la version spéciale. On va faire le DLC hein, la prochaine fois. Je pensais sincèrement qu'il y avait un autre épisode. Pourquoi ils ont mis qu'un épisode, c'est con? Attendez, mais pourquoi à droite alors mes stats sont bien différents? Eh pas, il y avait pas un son. Ok. Attendez. Là, je prends peur là. Comment ça? J'ai à peine à 6 vidéos. Je vais pas finir le LP en 6 vidéos quand même, si? Enfin, 6 vidéos, à 10 vidéos vu qu'il y a l'autre monde après. Ah bon, bah du coup, c'est la fin de l'aventure principale. On s'attaquera au DLC la prochaine fois. Hein. On s'attaquera au DLC la prochaine fois. Bah écoutez, je suis un peu déçu, hein. Moi, il me semblait qu'il y avait des niveaux d'Animal Crossing, de Super Mario 3D World et tout, mais ma foi. Bon, ben voilà. Enfin, ouais. Ben, du coup, les amis, on fera le niveau des DLC la prochaine fois. Voilà. Et on va d'abord faire le taux de pixelisé ici, du coup, parce que je sais pas si ça va être compté. 70 pièces ramassées en plus. Oh putain, j'ai même pas fait le défi. L'épisode 2 est désormais disponible. Ah, quand même! Oh putain, je vous jure, je me suis dit, putain, c'est la fin du LP, là, en fait. Enfin, presque. Bouquin 2. Oui, d'abord, on va faire le bouquin 1, parce qu'il nous manque davantage de choses, comme les 70 pièces ramassées ici. Que j'ai oublié comme un con. Allez, go! Allez, go! Là, cette fois-ci, on speedrun. Oh, évidemment, ça va dépasser le temps, hein. Honnêtement, c'est fait pour, c'est prévu. Donc, c'est pas grave. Alors du coup, 1, 2, oh, allez, c'était parfait ce que je viens de faire. Quarante-neuf, allez, nous avons plus beaucoup. Allez. Allez, il nous en manque 51. Alors là, faut pas faire l'erreur activant la manivelle de l'autre côté pour récupérer les pièces de l'endroit où on n'a pas pu y avoir accès. Non, mais non! J'ai fait le con! J'ai dit que faut pas que j'active et j'ai activé. Mais quel abruti, mais c'est incroyable! Attendez! Non, je vais pouvoir faire un petit trick. Je crois que je vais pouvoir faire un petit trick. Regardez, attendez, j'espère que ça va marcher. Il faut qu'il soit comme ça et qu'au moment où il active son mode vent, je me jette en même temps. On va faire ça. Vous savez quoi? Bon, pour le moment, il va être là. On va attendre un petit peu. Voilà, là, il va être là. En même temps, vous savez quoi? On va récupérer ça. Allez, du coup, tout à l'heure, quand il va se mettre à l'autre, voilà. Et là, maintenant, on se met là où c'est un peu plus. Boum! Oh oh oh! Ah, il nous en manque un. Ah, oh, d'accord, en haut, il y a des pièces. Je vous avais dit. C'est vraiment un super trick. Bon, du coup, on va pouvoir aller en finir. Vu qu'on pourra récupérer les dernières pièces là-dedans. Donc, ce n'est pas gravissime. Allez. Ok, c'est bon. Parce qu'il faut pas. Allez, j'espère que je vais avoir le temps. Et c'est parti.
Voilà. Un, deux, trois. Un. Ah là là, je crois qu'il va. Ah, voilà. Vas-y, désactive. Deux. Ah, bah bien sûr. Tu fais la connerie, ça va pas le faire. Allez, il va désactiver. Désactive-toi. Non. Boum. Et nous l'avons eu. Nous l'avons eu, les amis. Bien. Il nous manque le jet pixelisé. Et après, on va s'arrêter là. Je sais que ça aura duré un peu plus longtemps, mais c'était pas très grave. Putain, j'ai eu peur tout à l'heure pour avoir fini le jeu, je vous jure. Je me suis dit pourtant, il me semblait avoir vu épisode 2, il me semblait, quand j'ai fait à l'époque sur la version Wii U, qu'il y avait l'épisode 2 et l'épisode 3. Je me suis dit, alors peut-être les épisodes 2 et l'épisode 3 ont été regroupés dans un seul et même bouquin. Et mais finalement, non, heureusement d'ailleurs, parce que je commence à avoir peur. Hein. Objectif temps. Il y a un objectif temps. Meilleur temps, objectif temps. Ah putain, il faut refaire les niveaux avec le meilleur temps, c'est vrai. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Hein. Je vous le dis clairement, ce sera pour la prochaine fois. On va juste s'occuper du taux de pixelisé. Et après, il faudra refaire les niveaux avec le meilleur temps. Bon, vous savez quoi, on fera ça la prochaine fois. On va juste trouver le taux de pixelisé. Oh, j'espère qu'il est pas en combat. J'espère qu'il est qu'en bas. Alors du coup... faut savoir où il est. Ok, rien pour le moment. Rien. Dégage, 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 dégage. Là, c'est vraiment la recherche. Si on se rapproche, il nous le... on aura le petit cri du Toad. Pour le moment, nous n'avons rien. Il était... what the fuck? What the fuck? J'ai cliqué n'importe où, il était là. Ok, d'accord, enfin j'ai cliqué, je voulais cliquer sur le truc, mais finalement, ok. Bon, ben voilà, ben écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode sur Captain Toad Treasure Tracker, en espérant que ce retour vous aura plu. On a fini l'épisode 1, en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Alors de mon côté, je vais voir pour le mode VR, alors par contre ça va désactiver l'écran pour vous, alors je suis désolé, donc... du coup, vous aurez pas l'info. Je vais juste savoir ce que c'est parce que malheureusement, je n'ai pas le Nintendo VR. Mais j'aimerais bien me le prendre pour pouvoir en faire des vidéos. Mais en même temps, voilà, on a fait pas mal de petites choses. On a les trois trucs.
Vous savez quoi, la prochaine fois on s'occupera des objectifs temps, voilà. Donc par contre le 127 secondes c'est vraiment exagéré. Mais par contre je sais pas, est-ce qu'on en a déjà fait un? Est-ce qu'on en a déjà fait un? Alors du coup, alors non, 60 non, 83 non, 54 non, 83 non, non, 23 non, 551 non, 10 ensuite, 109 secondes, ah oui quand même. Non, 143 non, 140 non, 78 non, 58 non, 481 non, 162 non, 212 non, 26 non, 5, enfin 5, 40 non, 116 non. Donc la prochaine fois, il faudra se retaper tous les niveaux avec le bonus temps. Donc il faut se souvenir de comment on les refait déjà, mais... On va tenter de s'en souvenir. Du coup, c'est le speedrun. Je sais pas si ça va être faisable, en espérant que ça soit faisable. S'il y a marqué 16 secondes, c'est faisable. Je vais juste tester sur le premier niveau pour savoir est-ce que ça va être aussi chiant que Power Explorer Edition ou pas. Du coup, l'objectif temps, il est de 16 secondes ici. Voilà, là je m'en souviens plus du tout par exemple. D'accord. On peut pas recommencer? On va recommencer, vous savez quoi? Allez, on va recommencer. C'est vrai qu'il fallait activer notre manivelle. Putain, 17. What the fuck, c'est chaud, c'est du frame perfect. En fait, faut vraiment pas se faire, il faut prendre les courbes, les virages ultra serrés, quoi. Wow, putain, c'est quoi cette connerie. Je vais quand même tenter le premier niveau. C'est faisable, en fait, faut vraiment pas se foirer sur le truc. Faut juste se concentrer, en fait. Je pense qu'on peut, je sais pas si on peut le faire la diagonale. Ouais, 17. Oh, c'est pas possible. C'est clairement pas possible. À part si on peut skipper à la diagonale le truc pour pouvoir passer de l'autre côté. Mais sinon, ce n'est pas possible. Il faut speedrunner le truc, j'en reviens pas. En mode speedrun. On va tenter la diagonale, vous savez quoi? Ça nous évitera de faire tout le tour. Bah ouais, on peut pas. On peut pas, mais c'est quoi cette délire? Oh putain, c'est quoi ce délire? C'est qu'on peut clairement pas. Bien sûr, j'ai perdu tout mon temps. Ah là là, c'est à droite qu'il faut partir. Je stick droite. D'accord, en fait, il faut speedrunner, d'accord, j'ai compris. Et ça va, c'est faisable. 16 secondes, bon, c'est faisable. Ouais, il y a même la petite étoile. Bon, on sait quoi faire. Donc du coup la prochaine fois on refera tous les niveaux avec le bonus de temps, en espérant qu'on y arrive. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. On se dit du coup pour l'épisode 7 de Captain Toad Treasure Tracker. D'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde, et peace. Et j'ai pas envie de faire ça, donc c'est pas grave.